coup, je lance ça. Eh bien, salut tout le monde, c'est Ozogoth. On se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau rec. Donc, tout simplement, un nouveau let's play sur Valheim. Où tout simplement, on va commencer une nouvelle aventure avec l'ami Bambijo. Donc, à savoir que normalement, j'avais tourné tout ça hier. Mais on a eu un petit souci, c'est que notre map a déjà été nulle. Et de deux, c'est qu'on avait extrêmement du mal, entre guillemets, à power up parce que c'est long. Et que nous, vu qu'on a déjà fait ça, on va reprendre nos persos de base. Donc on était vraiment pas trop loin, donc ça allait. De toute façon, vous allez revoir, on va devoir tout refaire, tout regrind. On va expliquer comment faire. Et dans le pire des cas, je vais bientôt sortir toutes les vidéos VOD que j'ai sur le côté. Donc vous pourrez les revoir, des dizaines et des dizaines d'heures de stream sur Valheim. Où tout simplement, on avait tout ça. On avait commencé à vraiment tout faire pour tous les persos. Donc let's go. Hop, c'est bon, je suis là. Merde, je mets le mot de passe. Comme d'hab, je fais un nouveau monde. Aventure YouTube, hein, vous savez. C'est une cible au pif. Attends, sinon on peut choper une bonne cible, non? Bah, je sais pas, c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux vraiment te mettre une bonne cible ou pas? C'est toi qui vois, en vrai. Bah, parce en vrai, que... ouais, parce que. Moi, j'ai envie de dire c'est ça l'aléatoire, hein, mais bon, c'est à la luck. Après, franchement, on avait avant, ça allait, mais c'est juste qu'il y avait vraiment zéro donjon, quoi, donc c'était un peu chiant. Et quand on trouvait des donjons, on s'est fait fumer, donc... Donc voilà, c'est quoi, là, il y a un truc, là, qui gêne, c'est quoi, là? C'est... Non, il y a un truc... C'est quoi, ça? Ah, si... D'accord. Aïe, mais on voit le pied de mon fond vert. Putain, costaud. Ok. Bah je sais pas. En vrai je vais voir pour le monde, maybe. Moi que t'arrives à avoir une site sur internet tout de suite. Ça dépend, tu préfères quoi? Bah je m'en fous, ouais. T'aimes bien s'il faut se balader entre les îles, j'ai ce qu'il faut. Genre de l'eau ou... Beaucoup d'eau, ouais. En vrai c'est bien quand tout est compact, je trouve, non? Bah c'est cool, mais... On pourra toujours se balader. Bah, en vrai, on peut se balader, mais faut pas que tu aies qu'à 8 rivières entre chaque truc, tu vois, sinon c'est chiant. C'est bon, faut passer ma vie en radeau, quoi, et en drakkar. Même si on était des vikings. Arrête de te gratter, tu peux, toi. Mais c'est ça. Mets-toi en colère sur la couette. Eh, hey, vas-y. Saloperie de tes mains. Attends, je te fais bouche. Oh, je te jure, ce chien. Hello World, je mets ça. Bon, attends, je vois. Eh bien, salut tout le monde, c'est Ozogoth, on se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouveau let's play, du coup sur Valheim. Donc, il faut savoir que j'ai tourné quelques épisodes hier, mais on a eu un petit souci, tout simplement au niveau de tout. Donc, on a décidé avec mon pote de reprendre nos vrais persos, donc des persos qu'on avait déjà farm. Donc, si vous voulez vraiment voir tout ça, tout va sortir sur ma chaîne secondaire, donc Ozogoth-6VOD. Vous pourrez voir une bonne cinquantaine d'heures de stream sur Valheim où on a farmé comme des fous. Donc voilà. Donc nouveau, donc faut que je mette la cible. Mon pote il vient de me l'envoyer. Il m'a dit apparemment celle-là elle est pas mal. Et du coup, aventure YouTube. Let's go. On commence. Ok, c'est bon, mec. J'ai mis la site et je viens de lancer le truc. Plus qu'à attendre. C'est quoi là, le truc, là. Pourquoi j'ai un truc en fait? J'ai vraiment un truc en haut à droite. Bah, en haut à gauche de moi. Sauf qu'il n'y a rien en fait en haut à gauche de moi. Regardez. C'est les épingles. C'est les épingles qui sont vertes. Bon, ça, le jeu est en train de charger. Donc, tu me dis qu'apparemment celle-là elle est good comme cible. Ouais, apparemment elle est pas mal. Bon. Avec une petite hache, tout ça, là, mode... En gros, là où on spawn, ouais. À côté il y a des montagnes. Ouais. Et si on continue sur l'île principale, tu vas trouver une forêt noire. Et des marécages. Alors je sais pas si c'est des marécages ou si c'est des plaines. Ah non, pas les plaines. C'est bon. Il fait froid. Ça y est, mec, on a spawn. Je peux me rejoindre du coup. Ah non, ok. Là où on spawn, à côté, il y a des montagnes.
y a une forêt noire, il y a des marécages et il y a la plaine. Il y a tout quoi. Il y a tout. Qu'est-ce qui se passe avec mon jeu? Pourquoi j'ai mon jeu, j'ai l'impression qu'il est cassé. Je suis en combien de hertz? J'ai mis 60 hertz alors que normalement je suis en 144 sur mon PC. Ah ouais, il tire, en plus il est vraiment à côté. Bon, après, tu vois, comme j'ai dit, j'ai expliqué le truc. J'ai dit qu'en vrai, si vous voulez vraiment voir notre comment dire, notre aventure tout bordel, quand on a farmé nos persos, puis sur les Loosebogos VOD, quoi. Il y a 50 heures de stream sur Valheim où on a fait que de farm. C'est vrai. Donc là, en vrai, de toute façon, on va devoir refaire parce qu'il va falloir qu'on passe les âges. Donc bon. Genre, il va falloir qu'on aille rechercher des fours, donc des cœurs de surfing. Plus fort. Ok. Mec, n'oublie pas toujours la map. Qu'on se voie. Petit bonhomme. Attends, parce que là, le jeu bouge plus, il est pas content, c'est bon. Ouais, ça m'a fait le même. Ah, mais du coup, on a perdu toutes nos saucisses. Non, j'en ai 16 sur moi, mec. Oh putain. Attends, il y a un Bambi là-bas. On va déjà commencer à chasser. S'il va falloir qu'on améliore. Ah oui, c'est vrai. Taïo ! Ouf. Mais c'est vrai que t'avais un méga giga arc. Il y a un sanglier. Yes. Ah mec, j'ai toujours la toux de l'aîné sur moi. Ah moi j'ai celui de Hector mais bon. Ouais, parce qu'on avait pris l'un et l'autre. Ok bon, let's go. En vrai on va aller beaucoup plus vite. Bah là en fait ça va rush jusque... Bah jusqu'on en était, ouais, jusqu'on était au marécage. Bah peut-être pas jusqu'au marécage parce que... Ah oui ! À trois coups de doigt, j'ai pété l'arbre. On peut commencer une maison tout de suite? Bon, en vrai, on peut, hein. Aïe. On se trouve un petit endroit et... Fais gaffe, je suis en train de foutre la merde. Ah, ça y est, j'ai foutu la merde. Est-ce que j'ai ce qu'il faut sur moi pour terraformer? Non. Oh! Dommage. Le nagri, il m'a tapé, mec, j'ai pris 0 à point de dégâts. Ah, du coup, c'est vrai qu'on a nos fameuses ceintures aussi. Attention. Ça fout la merde. Wow. Moi ouais, je sais, c'est le quatrième arbre qui tombe sur moi là. Ah mec, mais faut pas qu'on soit trop en mode agressif avec nos haches. N'oublie pas, on va pas pouvoir les réparer. Ouais. Bah après ça va. Bah après on peut faire d'autres haches, c'est pas grave. Hein. Ouais, après on peut reprendre les trucs normaux. Hein. C'est pas non plus le plus... Ah si, c'est un du caillou. Okay. Voilà, en vrai, en bois, j'en ai déjà pas mal sur moi. Oh, j'avais encore du bois précieux. Le bois des bouleaux. Bon, on commence à faire une petite maison. On va go chercher l'endroit tout de suite, je pense. Ouais. Petit endroit sympa. Oh, il y a encore ça. De quoi? Des restes de squelettes du coup. Chien qui est en train de décéder à côté. Tu ferais gaffe s'il y a un gris qui te court après. Bah je pense qu'on a notre endroit écoute. N'oublie pas qu'il nous faut de l'eau en vrai à côté pour le bateau. Est-ce que c'est de l'eau à côté ou c'est... Casse-toi toi. Ah c'est pas de l'eau. Ah si. Si y'a de l'eau. Oh propre. Attends j'arrive. Ferme le sanglier. Sérieux. Ouais franchement pas mal hein. Je suis mort, on prend 0,5 points de dégâts, on respecte même plus les bestioles quoi. Ah si franchement c'est propre. À tout moment mec. On fait la maison dans le champ ici, où il y a tous les cailloux. Oh bon, tiens, un arbre qui a une crampe. Oh, il a une vraie crampe lui par contre. Oh putain, les arbres à crampe. Ah non, lui il a une vraie crampe par contre. Oh, c'est quoi ça? Oh, il y a une ruche. Je peux la récupérer la ruche, tu veux.
Je peux la casser. Je peux me laisser sanglier. Je peux la casser. Vas-y, à la pioche, ça va plus vite, je crois. Ah merde, j'ai fait un truc dans le sol. Ah oui, deux coups de pioche dedans, je l'ai fumé le truc. Enfin, en même temps, avec ce qu'on a, c'est pas trop compliqué, quoi. En vrai, mec, la maison, est-ce qu'on a fait pas un milieu des cailloux, là, comme ça, ça fait une petite défense naturelle, là. Ça fait petit, les cailloux, là. Tu penses que ça fait petit? Bah, déjà, faut péter ça. Bah, ici, toi. Bah. Ah. Pioche, toi. On casse ça. Oula. S'il te plaît, pète pas le cailloux. Pète pas les cailloux. En vrai, ici, on peut mettre notre forge au pire. Moi, je trouve que ça fait petit pour une maison, là. Ouais. Bah, en vrai, notre forge, peut-être, non? Ah, ça donne du bois normal, ça? Ouais, ça donne plein de trucs, en fait. Oh, mon Dieu. Oh, on met la forge là, mec. Puis si la maison, on la fait pas trop trop loin non plus. Alors, parce que là, du coup, on a le truc pour mettre le bateau. Faudrait creuser un peu, quoi. Dégage-toi. Mais ouais, ça va voir, du coup. Parce que là en vrai ça fait vachement petit ça. En vrai ça aurait été stylé tu vois. Bah sinon on go par là quoi. Ici on a vraiment la place pour faire un gros truc quoi. C'est dégagé. C'est en pente. Ah t'es parti à l'opposé de moi mec. Ouais il y avait un dinguerie. Genre là vraiment en plus on a de l'eau en face donc on a juste à déposer le radeau. Et le petit truc à feu comme tu voulais hier là. Qui marche pas très bien d'ailleurs. Là je pense on est good ici non. On fait ça là non. On a plein d'espace. Là ouais c'est bien ouais. Je te laisse but comme avant. Je sais pas d'où. Parce que là où je l'avais laissé dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Trop de trucs. Aïe aïe. Oh on va tellement galérer de refaire tous les trucs. C'est qui envoie des pings encore? Truc de tailleur de pierre, la forge, le soufflet, les enclumes, il nous fallait du bronze et tout, non. Oh là 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 là, ça va être magique. On doit tout refaire, ça va être... Il faut quoi prendre un dracard déjà? Serre, clou de bronze, résine. Oh là là. Oh non, c'est les endroits où il y a plein de... De cailloux de merde. Non, le... la pelouse. Ah ouais. Après ça, au pire, attends. Il faut une faux. Il faut une où, ouais. Ouais, plutôt. Et de faire ça propre, hein, quand même. Pour être plutôt. Oh, je me fais taper sa mère. Je vois ça. Hein. Bah j'entends ça du moins. Let's go, ça ça met bien ça. Tu auras plus de trucs déjà. On va rentrer ici. Bah, passé, j'ai plus assez de pierres, mec. Sinon, j'aurais pu remonter le sol là. Des pierres, j'en ai 6, mec. Bah, allez, hein. Fais une grande maison. Je sais pas. Hein. Ouais, c'est toi qui vends. C'est toi le l'architecte. Ok. Ouais. Parce qu'en vrai, il va falloir qu'on fasse notre forge, tout ça autour, donc ça va être assez
assez obèse quoi, avec surtout plus ce qu'il faut pour la forge. Ah merde, je me trompe. On va chercher du bois tant en temps du coup. Tu bois mec. Tiens, en voilà. Et c'est ça qu'il faudrait que je voudrais tester. Ah mais. Notre hache, c'est vrai, elle se répare qu'à la forge. Donc il va falloir faire une forge, t'inquiète. Pour ça, il nous faudra les minerais. Ok. Tu fais une petite maison comme ça? Non, elle va être plus grande. Hein. C'est juste la base là? Ouais, là c'était juste pour. Non, en vrai, de ce côté-là, c'est chiant parce qu'à chaque fois, il faut remettre toute la terre. Non, on va mettre des piliers, t'inquiète, mec. Oh là là, ça va être beau. C'est faux. Mais on s'en fout. Oh, je me suis dépilé, c'est que ça peut péter, non? Ouais. Mais pour l'instant, on peut mettre des piliers, après on rebouchera avec de la terre, on s'en fout. Ouais. Donc, tu veux que j'aille te chercher du bois, c'est ça? Ouais. Bon, j'arrive. Tu m'as été où la Dark Forest, du coup? Faudrait qu'on explore, on essaye de la choper, comme ça on a du bois dur direct. Je crois qu'elle est pas loin. Hein. Du coup, on pourrait faire une partie à part aussi pour les TP. Comme ça, on met des panneaux dessus, puis voilà. Bon, je pense pas qu'on fera autant d'outposts qu'avant, si. Bon, on en avait vraiment beaucoup. On avait partout. On avait 800. Avant, on pouvait se TP partout, c'était feu. Ouais. Et là, je trouve. Attends, j'ai mon rondin qui est en train de se barrer. Hein. Ici, toi. Ok, let's go. J'essaie de le faire soutenir entre les piliers parce que. Ça va casser. Heureux, ça a quand même une petite tronche. Hein. C'est pas mal ça ce que je viens de faire là. Et ça tient vraiment le pilier ou il est en mode au secours hein? Non, il est bien dans le. Là, il est vert en vrai, donc c'est ok. Il est vert, ouais. Le sol, il est vert. Bon, ça vaut pas la maison qu'on a fait. Qu'on avait avant, c'est sûr, mais bon. Après, avant, on avait. Qu'on avait tué nous, on avait des forêts derrière, quoi. Donc. Là, je t'avoue que je suis pas inspiré pour la maison, donc. Vous êtes pour le moment, ouais. Putain, on se fera un château, c'est bon. Ah, parce qu'en vrai, l'autre maison, j'étais inspiré, j'avais fait un étage et tout, c'était le feu. C'est pas mal. Hein. Après, on était beaucoup, donc en vrai. Aïe! J'ai bu tout seul. Mais en fait, vu qu'on était beaucoup, il fallait une grande maison. Que là on est deux, donc en vrai Osef, puis dans le pire des cas on l'a grandi au fur et à mesure quoi. Donc on mette notre confort au max là, puis c'est bon. Aïe. Vas-y, mais j'en ai marre. Je casse un arbre, il y en a 6 qui tombent. Plus mon Rana est parti dans l'eau. Plus de bouffe, on a plus de soupe. Bon, j'ai du miel or. Je peux le pousser lui. C'est fun quand même d'être obligé de nager pour aller chercher ma bûche qui est tombée dans l'eau. T'inquiète pas, je te ramène du bois. Tic, tic. Putain, avoir passé des soucis, ça. Manger des bouts de plantes quoi. Ah oui, t'as, putain là, mais ça va être. On va remettre obèse. Tiens. Je t'ai tout largué derrière toi. Ma hache, elle va bientôt casser, mec. Donc. Va falloir aller commencer à ramasser du silex et tout pour améliorer, pour commencer à avoir des haches
En silex, sinon on est dans le caca. Je vais éviter de péter ma hache, en vrai on sait jamais. Dégage-toi. En vrai là le truc qui va être le plus chiant à faire, c'est de vite aller rush des minerais pour faire du bronze pour avoir notre forge. Pour réparer nos stuff. Mais du coup la forge il faut quoi? J'ai pas fait gaffe. Faut que je cherche où est-ce qu'elle est. Là. Ah si là. Cœur de surtling. Il faut 6 cuivres. 4 charbons, 10 bois. Ça va en vrai. Bah, surtout ça en vrai. C'est les cœurs de surtling qu'il va falloir qu'on aille chercher en masse aussi. Bon tu penses que c'est assez grand ou je fais un peu plus grand quoi? Je suis pas à côté de la maison mec. Je suis en train de chercher des petits silex. Il y a combien d'ailleurs sur moi? Il y a 10. Attends, j'arrive. Et là, toi. Il y a Morbi qui court sur ma maison. En vrai, ça va. Hein. Le temps de... qu'on puisse mettre nos lits, quelques coffres. Après, le plus chiant, ça va être dehors la forge. Quoi. Il va falloir bien la planir, parce que sinon, la forge, ça va être un bordel. Franchement, ça va. Hein. Ah, c'est vrai qu'on avait des grandes portes, ça, c'est nice. Merde, il manque 10 de bois. Merde, mauvais endroit. Bon, faut que je recoupe un arbre. Mais c'est vraiment des mecs qui ont généré des sites comme ça, qui ont de la chance d'avoir une site comme ça. Non, ça je pense c'est surtout un easter egg celui-là. Parce qu'en vrai, avoir tout autour, c'est incroyable. Hein. Ouais, j'ai encore plus de bois. Et là, copain, ça va être la merde en vrai. Parce que... Sérieux, le nain gris, je le fume. Alors en vrai, faut que je fasse un bio, parce que sinon on va jamais avoir de hache, mec. Pioche, il nous faut le bois dur. Hache en silex, il me manque 6 silex. J'ai déjà pété ma hache. Oh, on est là, on a des méga giga hache, mais elle dure 0. Et si Bambi? C'est wall, il traîne second. Yes. Hop. Hop. Pire avec ta tâche, toi encore, non? Ouais, ouais, elle est toujours là. Parce qu'en vrai, pour le bois, limite, faudrait que tu utilises la tienne, parce que la mienne, elle est.
courir 45. Ça va. Ok. J'ai tué quelques Nyx en passant. C'était bien un cochon, putain, je crois que c'était un caillou. En vrai, mec, si on veut, on peut rusher Ektir parce que j'ai déjà une tête de caribou sur moi. Pourquoi on va rusher Ektir tout de suite? Ça sert à rien. Il y a un caribou encore vers la maison. J'arrive pas à l'avoir. Il est vers toi le caribou. Là, viens là, viens là, viens là, viens là. Ok, c'est bon. Hop. Il y a quand même un arbre qui a une crampe ici. Ah. Là. C'est... Ah putain, je croyais qu'il était déjà... T'as battu. Hop, je viens de me créer une petite hache en silex. Je porte des dés comme ça. En vrai, là, mec, surtout, ce qui va nous être bénéf, c'est qu'on va pouvoir tellement aller plus vite en portant beaucoup plus de minerais sur nous avec la ceinture. Ok. Timber. Mais tu le fais en quoi aussi la maison en bois dur, non? C'est pour ça que c'est que ça non, prend je de le temps. Fais en bois normal. Là. Ah bon? Putain. Ouais, je voulais dire pas en paille, tu vois. Normalement, petit truc. Bah, tu peux le faire en paille, hein. Ça existe pas. Il y a que le toit, c'est vrai. C'est con qu'ils ont pas mis les murs comme ça en mode. Tu peux faire de la boue avec quoi. Ah, j'ai plus de stam. Ouais, petite maison chill. Ok. Putain, mec, ça sent en vrai qu'on a plus de soupe et tout. Notre stamina, elle est tellement basse par rapport à avant. Chier les dingueries. Faut jamais être tranquille. Même dans ta propre maison, ils viennent te faire chier. Je suis coupé du bois à 35 seulement. Je pensais que j'étais plus. Imagine, je suis en train de couper des arbres, il y a des nagris qui me jettent des cailloux. Hop, yop. Et allez, réaction en chaîne. En vrai, la maison de loin, elle a une petite tête quand même.
Let's go. Il fait nuit, du coup on a 0 stam de régène. Il y a tout. Je te ramène du bois, je pense que t'en as plus. Non, là j'ai plus rien. Ah, j'ai tapé un caillou avec moi, du coup j'ai gagné un point de perks dans ma hache. J'ai de faire vraiment en sorte que ça tienne quoi, parce que. Ouais, si ça s'effondre au moment où on rentre dedans quoi. Je pense en vrai c'est quand même bien solide quoi. Tiens. Le problème c'est que pas tant que ça au final. Ah bon? Bah c'est que en vert en vrai ça va. Hein. On n'a pas d'orange ni de rouge. Ah là il y a un fer orange là. Là c'est bleu. Bah après ici c'est vert parce que du coup il n'y a rien en dessous. Ah je t'ai bougé. J'ai loupé ma poutre. Tu refais un peu de bois ou pas? Je sais pas du tout. Je vais rechercher de toute façon des forêts à côté. Ta première épisode de Valheim, du coup, du let's play, mec, c'est. Construction de la maison. Pam! Qui, dans l'ancien. Dans l'ancien let's play, entre guillemets, était le 6ème épisode, je crois, c'est ça? Si je suis pas de la merde. Aucune idée. Je crois que c'était le 6ème. Parce que les deux premiers, on a commencé à bouger, faire un petit bout de maison avec tous les outils. Troisième, on a fait le bidule là. Ouf. Caribouman, j'oublie son nom. Ektir. Après 4, 5, 6, c'était où on a commencé à découvrir les forêts noires. Et après, on s'est fait fumer par le troll dans la grotte, plus le troll qui nous a niqué sur le caillou là. Puis bon. Puis c'était fini quoi. Dès qu'on aura un peu de bronze, on va pouvoir se faire un cultivateur, ça va être pas mal. Le truc, c'est que ça paraît pas comme ça, mais ça prend masse bois de faire des poutres. Mmh. Je vais faire quoi? Je vais faire un toit en 45, ouais, je pense. Mais si, quand c'est un plus de bois que j'en coupe, secours. Ouais, je pense 45, c'est bien. Les casse. Enfin. Oh, j'ai déjà plus de bois. Le tronc ne m'a pas touché. Pourquoi j'ai pris 13 points de dégâts? Je suis en train de manger mes dernières saucisses. Je pense que je vais arrêter de les manger. Je vais les garder quand on va aller dans les autres biomes. Surtout dans le marécage, quoi. Comme ça, on a plein de PV pour les. Les donjons. Je pense d'ici ce temps-là, on aura le temps d'en refaire. J'arrive. Tic 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 tic. Ah, voilà. Un peu de bois, mec. Du coup, on met les loups à côté des fenêtres, non? Alors là. Parce qu'en vrai, ici, on peut quand même mettre des trucs pour craft, je pense, non? Je sais pas. Ça fait court pour mettre ça dans la maison. Ouais. En vrai, l'intérieur est grand pour mettre notre petite table et tout pour notre confort au max. Puis derrière, on peut mettre tout le bordel. Genre.
Après, on a de l'espace, quoi, vers là-bas. C'est tranquille, en vrai. Donc, on a combien? 33 minutes. Je pense que je vais couper, du coup, le premier épisode du Let's Play là-dessus. Et puis, du coup, rendez-vous dans le deuxième. Allez, zou. Pam. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bogos. On se retrouve du coup aujourd'hui pour le deuxième épisode du Let's Play sur Valheim. Donc, premier épisode, on a fait notre petite maison. Mon pote est en train de la finir là d'ailleurs. Du coup, on va couper un peu de bois. Je pense après, du coup, on concourir pour essayer de découvrir une forêt noire. Tout à l'heure, on fera Aethir, donc faudra qu'on passe par un peu la chasse. Pour tout simplement pouvoir crafter tout ce qu'il nous faut. Donc, tous les bio, les petits trucs comme ça pour nous améliorer notre table de craft. Donc, comme précisé dans l'ancien épisode, je vous ai dit juste que nous, on a repris nos persos qu'on a farmé dessus pendant pas mal de temps. Donc, ça va pas être du tout le même si vous commencez le jeu, parce que tout simplement, vous aurez pas les mêmes stuff, à part la hache, là, ce que je viens de la faire. Mais vous aurez pas autant de stuff que nous, vous prendrez pas autant de dégâts, genre vous prendrez 4 à 5 fois plus de dégâts. Et franchement, en vrai, c'est pas le plus dérangeant que nous, on a pris nos vrais persos. Comme je vous ai dit, sur Luzbogos VOD, il y a au moins une cinquantaine d'heures de stream à regarder si vous voulez, sur Valheim, où bah, tout simplement, on a grind, on a up nos persos, on a pris des sacrés fous rires, donc voyez-vous. Ok, je t'ai recoupé un peu de bois s'il faut, j'en ai 25. Ouais, je pense que ça va mettre plutôt bien un peu plus de bois. Tu fais. Ah, il est en train de faire un escalier pour monter. Après, j'ai du bois précieux, mais je pense pas qu'on puisse build avec. Non. Du coup, vu que c'est nos persos au level, mec, on fait des sauts de cabri. Par rapport au perso d'hier. Ah, du brouillard, génial. Vu que j'ai déjà une reine abeille, il y a peut-être moyen que j'essaye de mettre déjà une ruche. Comme ça, on est en avance sur le miel. Oh, le boss. Pourquoi pour une ruche? 10 de bois. Il va falloir qu'on aille chasser des caribous du coup pour avoir pour faire en sorte tout simplement d'avoir de la peau de caribou pour nos trucs pour craft là. Mon rondin il se barre, secours. Je te ramène encore un peu de bois. Les 15 là. Ok. Ah mec, il y a une harpe, il y a une crampe encore. Le faire, c'est mal calculé. De quoi, le toit? Ouais, ouais. Aïe, aïe. Ouais, ce qui est mal calculé pour le moment, c'est que je fais des réactions aux chiens à l'infini dans la forêt à côté de la maison. Du coup, c'est chiant. Bon, je vais faire comme ça. T'as par contre à côté de la maison, mec, on a un sacré coin de baie. Hein. Il y a 8-9 bush là. Ça pète pas les bûches. Non, c'est bon. Ça a pas cassé les bûches de B, c'est incroyable. Et allez, j'ai encore un arbre qui a fait une catapulte.
Les arbres catapultes, ça m'avait pas manqué. Hein. Quand tu casses ton arbre et qu'il s'enroule autour de l'autre arbre à côté, là, qui dit oui. Ok, je suis fou. Hop. C'est 100% mal calculé ce que j'ai fait. En tout cas, ça a quand même une belle gueule. Tiens, un peu de rapprochement si tu veux. Bon, tu piques ça quand même. Ici. Donc, pot de serre et bout de cuir. Bon, bah, go la chasse. Hein. Alors, j'ai combien de pots de serre? Les deux, il m'en faut 5. Par contre, les 20 bouts de cuir, je suis pas. C'est un peu plus long, quoi. Ça me permet d'explorer. Mais what the fuck? Dégage-toi. Et à toi. Et là, surpris de biche. Ok, nickel. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, il me faut du coup tout simplement des cochons. Sérieux? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Ça a cassé? Bah, j'arrive pas à mettre mes trucs. Il faut du bronze, il faut du cuivre pour la forge. Il faut 15 siècles et 20 mots de cuivre. Et comment je vais sur le côté comme ça? Genre il se déplace sur le côté mon perso. Il glisse non? Bah non, je suis sur une fondation. The fuck. Ah ouais, moi aussi. Ah il fait un petit mouvement de recul, on est d'accord? Bah pas forcément du recul mais c'est chiant quoi. Ouais je sais comment je vais faire. Alors, où est-ce que j'en suis? Qu'il y a des sangliers dans le coin. En tout cas, des billes, il y en a partout, hein, c'est incroyable. J'ai vraiment écrit Mickey. Pour pas croûte. Pas l'odeur d'une abeille, je suis dégoûté. Je suis mort mec, j'ai retrouvé un altar pour El Caribou.
Vraiment zéro sanglier quoi. Faire le tour de l'île, voir ce qu'il y a en vrai en longueur. Voilà, il suffisait juste de se demander. Un étoile. Donnez-moi vos bouts de cuir. Putain, j'en ai marre, mec. Un bout de cuir par cochon, bordel de merde. J'ai vraiment pas envie de fumer 20 cochons quoi, ça va être long. L'Unix se dégage. Le sanglier, pareil. Alors, j'ai combien, j'ai 7 silex, il m'en faut 15. En vrai, l'île elle est grande, mec. Oh, elle est énorme. Je suis en train de faire le tour là. Fouh. À Skip, ils ont mis les crédits à la fin. Maintenant, parce que j'ai eu tout à l'heure vite def. Mais bien si t'as battu les 5 boss, t'as des crédits en mode bras, bravo, t'es joué. On est à l'abri. Pomme patate, pomme patate. Comme tu m'avais dit hier, mec, j'ai fait des 1v1 à gris. Ouais, le temps qu'on a un truc et qu'on a un peu de confort, tranquille. Voilà, on a zéro confort parce qu'il n'y a pas de lit. Oui, sûr. Oh merde. De quoi? Oh non. Oh non, ne me dis pas que je me suis câblé là-dedans. Bim, 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 bim.
Save. Ouais, putain, la forêt noire, elle est loin. Waouh. Bah loin. Pas vraiment en fait par rapport à où on est. Parce que j'ai fait tout le tour, voilà. On a combien de confort? 0. Ah. Mais en même temps, il n'y a pas de feu, copain. C'est vrai. Ah, du coup j'ai pas de cailloux. J'avais pas appris à faire le... J'avais pas appris à faire le méga gros truc là. Genre de feu assis là. 15 pierres et il faut le tailleur de pierre, ouais, c'est ce qu'on a pas. Je crois que c'est ce qu'on va faire, le méga gros. Il faut le tailleur de pierre aussi. Ouais, moi, on l'a pas pour l'instant. On va devoir en faire un petit feu et après. Waouh. Ça se fait quoi le tailleur de pierre déjà? Du bol, t'es franchement fou. Tailleur de pierre, il nous faut du fer. Oh là là. Donc on est pas avant le marécage pour voir ça. En fait. Donc, si j'ai pas de la merde, copain, j'ai la forêt noire. Ouais, ça y est, je l'ai. Il y a déjà des caillasseurs, hein. On était quel level avec le couteau sur ces comptes là? Couteau, je suis 0. Ah, d'accord. Je crois que tu jouais pas le couteau au début. Je jouais la. Ah, confort 4. Oh bah ça va. Franchement, c'est clean pour un début. Et si on est là, on a pas le confort partout. Hein. Ouais, c'est parce que t'as les fenêtres ouvertes, mec. N'oublie pas qu'avant on avait dû refermer tout l'étage à cause non. de ça. Non, non, c'est pas les fenêtres. C'est le toit, peut-être. C'est juste que le feu il fait pas partout en fait. Ah oui, logique. Ouais, c'est pour ça qu'autour de la maison, nous on avait mis un million là. Je sais parce que nous à un moment, souviens-toi, au niveau des fenêtres, on avait zéro de confort aussi. Quoi, elles étaient ouvertes. Ouais, je sais. Mon téléphone qui a toujours pas, c'est le caillou, ça m'énerve. J'en ai marre, mon téléphone il fait que de vibrer, pourquoi là? Bah, de toute façon, je rentre à la maison donc j'ai 30-40 cailloux sur moi, ça devrait aller, non? Ouais, je pense. Je vais le mettre ici, là. Sur ton perso, t'as pas de cuir de cochon, mec? T'as tout déposé dans les coffres? T'en as 5? Il nous en manque 2, du coup. Je rentre à la maison. Ah, j'ai encore retrouvé. On a 3 hôtels pour invoquer Ktir autour de chez nous. Putain, ça devrait aller quoi. Let's go. Cool la maison.
je suis à la maison. Je prends ma peine. Excuse-moi, je dois revenir vite fait. Je te largue la pierre. Tiens. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi on m'appelle encore. J'en ai marre. Je reviens.